La masse volumique du mercure vaut 13 600 kg par mètre au cube. Quelle est la masse volumique d'un corps de 80 cm au cube flottant dans le mercure si 3,57 cm au cube sont immergés? Voici la première donnée. La masse volumique du mercure est égale à 13 600 kg par mètre au cube. Le symbole chimique pour le mercure, c'est Hg. Voici la situation. Nous avons ce corps de volume grand V qui flotte sur le mercure. Et ce volume grand V vaut 80 cm au cube, c'est-à-dire autant de mètres au cube. Le volume immergé, c'est le volume du liquide déplacé et il est donné. C'est 3,57 cm au cube, c'est-à-dire autant de mètres au cube. Ce qui est demandé, c'est la masse volumique de ce corps, masse volumique rho, que nous exprimons en kilogrammes par mètre au cube. Et pour trouver cette masse volumique, nous allons appliquer ces formules-là. La poussée d'Archimède est égale au poids du liquide déplacé. Un poids se calcule par masse fois le facteur de poids, qui vaut 9,81 newtons par kilogramme, et la masse volumique d'un corps est égale à sa masse divisée par son volume. Puisque ce corps flotte sur le mercure, ça signifie qu'il est en équilibre, et donc son poids doit être égal à la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède se calcule par le poids du liquide déplacé et un poids se calcule par la masse fois petit g. Donc, nous obtenons ici que la masse du liquide déplacé fois petit g est égale à la masse de ce volume fois petit g. Et cette égalité peut être simplifiée par petit g. Puisque la masse volumique est égale à la masse divisée par le volume, nous savons que la masse, c'est la masse volumique fois le volume, formule que nous appliquons des deux côtés. Ainsi, nous obtenons que la masse volumique du liquide déplacé fois le volume du liquide déplacé est égale à la masse volumique de ce corps fois son volume. Nous mettons le V de l'autre côté de l'égalité et ainsi nous obtenons que le ρ cherché est égal à ce quotient. Maintenant, nous remplaçons chacune des grandeurs par les nombres donnés et ainsi nous obtenons cette fraction-là, fraction qui donne 606,9 kg par mètre au cube. Et donc, la réponse finale à la question posée, c'est ρ est égal à 606,9 kg par mètre au cube.